Psaume 127. Je ne boirai plus de fruits de la vigne jusqu'au jour où viendra le royaume de Dieu. Le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains, tu profiteras pour ton aise et bien-être. On épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils, tes plants d'olivier. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse le Sion. Tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles, amen. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour. Cantique de Jérémie 31, page 287. Je vais changer leur affliction en allégresse, les consoler.
consoler les réjouir après leur peine. Je rassasirai mes prêtres de mes choisis, et mon peuple se gorgera de mes biens. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance établie par mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et vivons à cette cour.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais ce pain-là qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Les Juifs discutaient entre eux. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit dans son enseignement à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce jeudi saint, nous faisons mémoire de ce don merveilleux qu'est l'Eucharistie. Et cette fête prend une couleur particulière en cette année qui est consacrée aux prêtres. Oui, l'Église est appelée à rendre grâce pour le sacerdoce ministériel qui lui permet de se nourrir du pain du ciel, de cet aliment venu du ciel. Le sacerdoce a un rôle de médiation. Il accomplit le double passage de Dieu aux hommes et des hommes à Dieu. Seul le Christ est capable d'ouvrir cette communication verticale entre le ciel et la terre et entre la terre et le ciel. En ce sens, Jésus est bien l'unique grand prêtre. Pourtant, il a choisi un peuple pour le rendre participant de son sacerdoce. Ainsi, frères et sœurs, tout baptisé est marqué d'une onction spirituelle qui fait de lui un membre du Christ, prêtre, prophète et roi. En tant que prêtre, le baptisé est appelé à vivre sa relation à Dieu comme un chemin de sainteté pour lui et pour les autres. Mais alors, comment situer la place du prêtre ordonné ? Le sacerdoce ministériel doit se comprendre comme le service indispensable
pour que vive le sacerdoce des baptisés. Il rappelle à tout homme que c'est Dieu qui a l'initiative de tout don. La vie nouvelle jaillit au matin de Pâques, vient d'en haut et non de nos propres œuvres. Le prêtre représente le Christ tête qui répand ses grâces sur le monde. Et ceci est manifesté dans chaque Eucharistie. Ce n'est pas le prêtre qui fait que le pain devient le corps du Christ et le vin le sang du Christ. Non, c'est le Christ grand prêtre qui agit par lui. Le prêtre est donc essentiellement serviteur. Il se met au service de l'œuvre de sanctification que Dieu réalise par les sacrements. Le prêtre est un signe qui renvoie au Christ de qui vient tout don parfait. Oui, le ministère du prêtre est grand. Par lui, à chaque Eucharistie, il se vit un événement. Le Christ est réellement présent sur l'autel. Le saint curé d'Ars était particulièrement saisi par la permanence de la présence réelle dans l'Eucharistie. Aussi, il passait de longues heures d'adoration devant le tabernacle, et c'est vers lui qu'il se tournait souvent durant ses homélies en disant avec émotion « Il est là ». À chaque Eucharistie, le Christ présent nous donne de vivre avec lui sa Pâque de la mort à la vie. Dans l'aujourd'hui de notre histoire, il actualise le don de sa vie sur la croix, réalisé une fois pour toutes, et il libère le salut qu'offre sa victoire sur la mort. Sur l'autel, c'est vraiment le Sauveur du monde qui nous rejoint, s'adaptant à notre faiblesse par les signes très pauvres du pain et du vin. Ainsi, toute Eucharistie, qu'elle soit celle d'une cathédrale ou celle d'un oratoire, donne la grâce nécessaire au salut de tout homme. Oui, frères et sœurs, il est grand le mystère de la foi, et le Concile Vatican II l'exprime admirablement. La Sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même, lui notre Pâque, lui le pain vivant, lui dont la chair, vivifiée par l'Esprit Saint et vivifiante, donne la vie aux hommes, les invitant et les conduisant à offrir en union avec lui leur propre vie, leur travail, toute la création. C'est pourquoi l'Eucharistie apparaît comme la source et le sommet de toute évangélisation. L'existence du prêtre est entraînée dans cette circulation de vie entre la source et le sommet. Et lui-même se laisse transformer par l'Eucharistie qu'il célèbre. En remettant le pain et le vin aux nouvelles ordonnées, l'évêque lui dit « Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Prenez conscience de ce que vous ferez, vivez ce que vous accomplirez et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. » Le prêtre doit devenir un homme eucharistique et inviter tout baptisé à faire aussi de l'Eucharistie le sommet de sa marche humaine et spirituelle. Aussi, frères et sœurs, prions donc pour les prêtres, qu'ils soient véritablement
sacrement du bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Par la grâce de l'Évangile et de l'iconographie, tu nous donnes, Seigneur, de voir, de contempler et de revivre l'Eucharistie. En vénérant l'icône de la Sainte Cène, nous voulons te dire notre reconnaissance et notre amour, toi qui nous as aimés jusqu'à l'extrême et jusqu'à la fin, en nous donnant ton corps et ton sang, et de pouvoir demeurer en toi comme toi, tu demeures en nous. La sagesse a dressé une table et invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme. Mangez et buvez la Pâque de Dieu. La sagesse a dressé une table et invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme. Mangez et buvez la Pâque. Aimez-vous les uns les autres.
l'heure est venue, glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie et que par le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'Alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. C'est ce soir à 18h que nous pourrons nous retrouver pour la célébration de la scène. Et si vous le désirez, demain, vendredi saint, nous pouvons nous donner rendez-vous à 12h30 à l'église Saint-Louis en Lille pour le chemin de croix. Ce chemin de croix sera donné par des méditations de Nathalie Nabert, qui est doyenne de la faculté de lettres de l'Institut catholique de Paris, et ces méditations seront proclamées par l'acteur Michael Lonsdal, qui nous aidera ainsi à prier, demain à 12h30. C'est par amour, Seigneur, que tu nous as créés, c'est plus merveilleusement encore que tu nous as rachetés, pour nous demander de partager ce même amour en acte et en vérité. En te chantant l'hymne à l'amour de l'apôtre Paul, Seigneur, donne-nous de contempler ce grand mystère qui est l'image de ta gloire, cet amour qui ne passera jamais. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu, celui qui aime est de Dieu et connaît Dieu. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est de Dieu et connaît Dieu. Quand je parlerai toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, qu'une cymbale qui résonne et qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, toute la science des mystères, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Thank you.
je distribuerai tous mes biens aux pauvres. Si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. L'amour espère tout, l'amour.